Escapeuse, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo défi. Le groupe de Natacha ses bricoles et ses bidouilles, son groupe Facebook, elle proposait un échange où on envoyait à quelqu'un, et c'est au binôme, et cette fille nous envoyait en échange donc tout ce qu'il fallait pour faire une carte d'anniversaire et une ATC. Voilà, moi j'ai fait, je fais cet échange avec Juliette, vous l'avez peut-être vu l'autre fois, enfin vous l'avez vu sur ma vidéo, je me suis un petit peu embrouillé les pédales parce que, en fait, bien évidemment, voilà, je vous dis c'est Juliette, mais c'est Juliette, c'est son pseudo sur YouTube, sur les réseaux. Voilà, et moi elle me dit, t'as reçu ma lettre, bah non, j'ai pas reçu de lettre au nom de Juliette. Bah non, forcément, elle s'appelle pas Juliette. Donc j'ai reçu sa lettre, bien évidemment, mais c'est pas Juliette. Bref, c'est pas grave, ceci dit, je l'ai ouverte. Je vous montre, elle m'a envoyé une petite carte, voilà. Une jolie petite carte. Après vérification, donc c'est bien elle. Et donc elle me dit avec beaucoup de retard, bah alors moi comme j'ai mis 10 jours à ouvrir ta lettre, il n'y a aucun souci. Alors donc, le défi que Natacha nous lançait avec exclusivement ce que la personne nous a envoyé. Alors, vu tout ce qu'elle m'a envoyé, Juliette, je vais l'appeler Juliette, ce sera plus simple pour moi, bien que ça se trouve, je vais m'embrouiller. Faire une carte et faire une ATC. Voilà. Alors, nous, on s'était entendu. Moi, je lui ai envoyé pour faire une carte... plutôt masculine, voilà, c'est ce qu'elle souhaitait, et donc moi j'avais aucun souci, et moi je lui dis, ben moi je veux bien faire une carte voyage, voilà, donc elle m'a envoyé tout ça, vous avez vu, je me sers du petit set de table de Stéphanie, hein, pour pas que ça reflète trop, hop, je vais me mettre comme ça, voilà, pour faire mes petites photos, voilà, donc elle m'a envoyé plein de choses, hein. Juliette, vraiment, je ne sais pas si je vais faire de tout ça. Je vais pouvoir en faire plusieurs, mais on va regarder. Donc, elle m'a déjà mis les fonds pour les ATC. Donc, ça, ben, je vais quand même déjà en pouvoir en faire deux. Hein. Voilà. Donc, il y a plein de bon anniversaire. Elle m'a donné plein de petits papiers, plein des fonds pour faire... Alors, je n'ai pas regardé avant. Hein. Vous avez vu, Je joue le jeu je sais pas. Ah ben il y a des petites cartes aussi. Je sais pas ce que je vais faire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je vais en faire bien plus que deux. Parce que avec tout ce que tu m'as mis. Ce fond est magnifique. Il est déjà tout empoigné. Il est superbe. Hein. Hop, il y a un petit avion qui passe. Oui, ben écoutez. C'est pas ici en Ukraine. Hein. Ici, on est à côté de la Suisse qui est neutre. Voilà, ça c'est très très joli aussi. Ah, moi je pars en voyage, moi je suis partie là. J'adore ça, j'adore ce petit papier là. Voilà, de Londres, c'est trop joli. Hop, je pense que ça va faire mon petit fond de carte. Elle m'a mis un petit fond 15-15, je suppose, noir. Regardez-moi ce joli petit papier. Je crois que j'ai pas besoin de me fouler beaucoup pour avoir un magnifique carte. Elle m'a mis plein de trucs, une moto, là je vais peut-être en faire plusieurs, il y a des jolis petits bagages, elle a des jolis petits dailles comme ça. Vous avez le choix entre, je pars en train, je pars en moto, je pars à vélo, je pars en voiture, ça c'est sympa, hein. Ça peut être une deuxième carte, une deuxième petite carte, c'est trop chouette. Elle m'a fait du thé, elle m'a fait une énorme camping-car, plutôt un van aménagé, avec des petits bagages. Et ben ça pourrait être sympa. Donc, je ne sais pas si je garde tout, si je mets que la moitié. Ou... Voilà, j'ai plein de petits partout. Alors, il y a quoi? Ah, Londres, ben tiens, ça tombe bien. Que c'est Londres un peu, hein, les... Une petite étiquette heureux anniversaire. Donc ça, je trouvais que c'était sympa ce défi. C'est vrai que j'ai pas toujours le temps de participer aux défis sur les groupes et tout ça, parce que, ben, voilà, j'ai déjà du mal, oui, j'ai pratiquement un mois de retard. Il y a les randonnées, on peut aussi partir en rando.
J'ai pratiquement un mois de retard pour ouvrir mon courrier d'anniversaire. Alors, imaginez si je faisais partie des groupes et qu'il faut... Ah, il y a une couronne. Et qu'il faut, comment... envoyer pour tel temps de temps et tant de temps. Je suis hyper... je serai toujours en retard, en fait. Il y a une encre marine, mais ça, c'est plutôt le petit voyage en mer. Il y a des petites cabines téléphoniques. Donc, on va faire plutôt un petit truc Londres. Hein. Voilà, on est parti. Il n'y a pas si longtemps que ça à Londres. Enfin, bien, je ne dis pas si longtemps que ça, mais avec le Covid, tout était une éternité. Hein, pour ton anniversaire. Joyeux anniversaire. On en a envoyé plein. Hein. Il y a la petite tasse à thé. Peut-être plutôt ça avec un petit fond dessous. J'ai les petites... j'ai pour ton anniversaire. J'ai un bouton. J'ai des petites cabines téléphoniques. Ça, c'est sympa. J'ai les petits bus impériaux de Londres aussi. J'ai une magnifique... bah, je vais la mettre, hein. La tour, eh ben la tour, la tour de Londres, la tour de Londres, bien évidemment. Ah, ça me fait sourire parce que moi j'adore les films. Vous allez apprendre encore des trucs sur moi. J'adore les films un peu catastrophes, choses comme ça. Et j'adore ce film, vous savez, vous connaissez certainement. La chute de la Maison Blanche, et puis il y a donc la... Ah, comment il s'appelle cet acteur? Bon, j'ai oublié, hein, celui qui fait... Il y en a trois, il y a la chute de la Maison Blanche, il y a le président, et puis donc il y a la chute de Londres, voilà. Hein, et j'adore ce film, je connais presque par cœur, quand je veux énerver mes enfants, hein, pas que mon mari, on peut partir en paquebot aussi. Quand je veux énerver un peu mes enfants, ils disent « Oh, il n'y a rien à la télé. » Je dis « Oh, ben, on regarde la chute de Londres. »« Ah, mais tu le connais par cœur. » Bah, ouais, c'est vrai. Mais il est très beau, cet homme. Il y a une petite twin. C'est celui qui fait aussi la pub de celui qui tombe votre pelouse, là. Vous voyez ce que je veux dire. Si vous ne voyez pas et que vous ne connaissez pas ce film... Il faut absolument aller le voir. Hein, il faut le voir. Allez, on fait une petite carte comme ça. On va prendre la petite colle. Zoup. On va coller. Je ne sais plus comment il s'appelle cet acteur. Mais je suis sûre que vous allez... oups. Le petit embout est resté. Ça fait un peu comme le film... comment ? L'âge de glace. C'est pas, bon, celle, je parle pas aux jeunes. Hein. Je parle pas aux gens de moins de 30 ans ou même moins de 40. Hein. Je parle que aux... En tout cas, pas les moins de 30 ans. Enfin, si, sauf si vous avez vos parents, votre maman qui est comme moi et qui est une grande fan. Je connais les... Je peux le mettre... C'est ça que j'aime bien quand je scrape des fois, c'est de mettre un film... Comment ? Un film que je connais, et du coup, je suis pas obligée de le regarder. Vous voyez ce que je veux dire? Je peux être déconcentrée. Allez, j'ai fait un peu de tri, donc du coup, je sais où est ma petite boîte avec mes petits scotch 3D. Je vais me servir de mes scotch 3D. J'ai vu que j'en avais encore une blinde. Ça, c'est Aurélie qui m'en avait offert, je sais pas combien. Ah, comment? À Noël, pas cette année, le Noël d'avant. Je crois que j'en ai pour toute ma vie. Voilà, je pense que vous aussi, vous en avez. Dites-moi en commentaire si vous avez des films comme ça que vous connaissez par cœur, que vous avez déjà vu 3 milliards de fois. Alors, c'est ça qui est assez amusant parce que quand on est... bon, pas tellement à Londres parce que je connaissais, mais quand je suis allée à... Quand je suis allée à New York, on est allé voir la bibliothèque où, ben, ouais, il y a des scènes qui ont été des reproductions. Ils n'ont peut-être pas filmé dans la bibliothèque. Ils ont certainement des décors de cinéma, hein, ça fait un peu. Mais c'était, j'ai adoré. Je suis allée à la gare, je suis allée pour le film le jour d'après.
J'ai mis en 3D, voilà. Regardez. Voilà, en 3D avec mes petites mousses 3D. Est-ce que je vais mettre mes petits bagages? Alors, je vais les couper. Hop, qu'il y en ait un petit bout là et un petit bout qui dépasse. On en enlève un peu. Voilà, on a tous des films cultes. Enfin, je dis ça, peut-être pas. Hein. Moi, je sais que mes filles, c'est plutôt les chansons qu'elles connaissent par cœur, les paroles. Moi, il y a certaines, bien sûr, aussi. Mais... Voilà, j'ai mis les petits bagages parce que c'est important hein, de prendre ces petits bagages à main pour aller à Londres. Là, je vais mettre un petit tour de crayon rouge autour. Voilà, parce qu'on est censé rien. Bon, après, on peut mettre de l'encre et tout ça, hein, mais le défi, c'est quand même d'utiliser rien de plus. Bon, après, un crayon, de l'encre, je pense que... Je pense que Natacha n'en voudra pas, vu que je suis déjà hyper en retard. Non, mais c'est pas possible. En plus, je devrais le savoir hein, que les filles, vous avez des pseudos, hein. Mais c'est vrai, quand on a des pseudos de prénoms, voilà, celle qui s'appelle Petite Fée ou chose comme ça, c'est facile de se dire, bah oui, c'est un pseudo. Voilà, regardez, Londres. Une petite couronne parce que faut pas oublier qu'il y a quand même une royauté. Hein? Quand même une reine. Enfin, on sait plus. On sait pas si elle est encore vivante ou pas. Parce que l'autre fois, il se posait la question si. Est-ce qu'elle était vivante ou pas encore? Franchement, quelle idée. On va pas cacher que la reine est morte aussi. Enfin, ou alors ça a des. Peut-être, hein, je sais pas, je dis ça, mais je... il y a tellement des implications politiques importantes, je ne sais pas. Nous ne sommes pas là pour parler politique, nous sommes là pour... Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a tellement de soleil, je sais pas si vous, chez vous, il y a tellement de soleil aussi, mais moi, il y a tellement de soleil, j'ai été obligée de fermer le rideau, non mais franchement, et d'allumer la lumière, parce que sinon, je ne peux pas scraper. Alors là, franchement, ça, c'est... Les filles qui vous plaignez d'avoir jamais assez de soleil dans vos scrap rooms. Moi, je suis obligée. Moi, je suis obligée de fermer les volets. Non, mais. C'est un truc de fin de feu. J'ai fermé le rideau. Bon, ben voilà ma petite carte. Hein. Voilà, un petit tour rouge. Regardez. Joli, hein? Il y a un petit bouton rouge, bah, bien sûr que je vais le mettre, hein? Ça va attirer une petite touche de couleur. Alors j'ai des petites cabines téléphoniques aussi qui sont sympas. Je sais pas où je vais le mettre, le petit bouton. On s'est pris en photo tous. Hein? On s'est pris en photo tous dans la cabine téléphonique. Hein? Ouais, bah, c'est typique de là-bas. Hein? Je pense que. En faisant semblant de téléphoner et tout. C'était sympa. Et le petit bus, on a pris aussi, bien évidemment, les bus impériaux. Hein, bien sûr. On a pris, bien évidemment. Il y avait ce petit bouton qui était quand même assez sympa à mettre. Mais j'aurais pu. J'aurais pu glisser, l'accrocher, hop, à la petite twin. Avant d'y coller, ça aurait été quand même sympa. Ou pas, parce que je ne sais pas si je vais y arriver, ça. Non, ben non, 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 je ne vais pas.
Alors, où est-ce que je mets ce petit bouton? Ça mettrait un petit peu de couleur rouge. C'est assez sympa. J'aime bien. Il va pas là. Il irait bien contre la ficelle, hein, mais... Ah oui, c'est en direct, hein, vous avez vu. Hop! Oui, j'ai réussi à le passer. Un trou. C'est hyper passionnant, hein? Bon, je vais essayer de me dépêcher un peu plus pour la tester, quand même. Parce que sinon, vous allez... Vous ennuyez. Oh, bah, c'est pas grave, vous faites avance rapide. Hein. Non, mais c'est une catastrophe. Hein. Alors, si vous aviez envie de passer un petit fil dans un micro-bouton, vous le faites bien évidemment avant. Avant de tout coller. Parce que sinon, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. J'y suis arrivée, vous pouvez revenir, vous pouvez vous réveiller. Allez. Un petit bout de 3D. Vous pouvez vous lever, c'est bon. Super. Voilà. Allez, ma petite carte, un petit trait rouge tout autour. Voilà, ça c'est vraiment les trucs qui me manquent. J'ai hâte de pouvoir reprendre les voyages dès que, ben voilà, la situation ira mieux. Il faut aussi que j'ai ma carte d'identité qui est périmée, donc ça serait une bonne idée aussi. Hein. Voilà, Juliette, ma carte est faite en 17 minutes. Jolie, non? Je vous mettrai des petites photos après. Allez, on se... Oh, j'avais des... Ah, bah non, c'est des... J'allais prendre les strass qu'il y avait sur ta carte. Allez, les petites ATC, on va se dépêcher. On fait voyage. On va prendre les petites cartes. Toutes faites ou pas, je ne sais pas. Tu m'avais mis du washi. La carte, elle est toute faite, la petite carte. On va en faire une, j'en ferai une autre. J'utilise ce petit washi qui est super sympa. Je l'ai d'ailleurs, je crois. Ça, c'est une super idée quand vous prêtez, vous voulez offrir du washi à une copinette. Hein, vous mettez sur un morceau de plexi, de rhodoïde. C'est super sympa. Voilà. Une fois, voilà, une fille qui m'a dit, ah, mais t'as pas dit. Oh, il y avait en doré aussi. T'as pas dit, t'aurais pu, on peut faire. Les checkers avec des emballages de jouets, tout ça. Bah oui, c'est sûr qu'on peut. Bon, après, moi, ça fait quand même un petit moment. Ça fait un petit moment que Chloé achète plus de poupées, machin. Hein. Et puis pour Lilou, bah, on voulait des Lego et puis une cuisine à Noël. Mais c'est vrai que les emballages, pensez à vos enfants. Hein. Les emballages. Des poupées, vous pouvez récupérer les plastiques, hein, bien évidemment, pour faire les checkers. Allez, je coupe, il est un peu grand, donc hop, voilà la petite carte derrière. Je vous rappelle l'ATC Artist Training Carte derrière. Vous mettez le nom, le titre, vous donnez un petit titre, vous mettez le nom, le prénom, votre nom, votre prénom, et puis bien sûr, vous votre pseudo. J'adore cette valise, hein. Elle rentre en plus. Votre pseudo qu'on puisse vous retrouver, votre façon ben voilà de vous joindre, hein, voilà, surtout si comme Juliette, vous ne vous appelez pas Juliette et que vous avez la blonde de service qui vous dit tous les jours, mais non, j'ai pas reçu ta carte, mais non, j'ai pas reçu ta carte, mais non. Et la pauvre, je suis vraiment désolée, je me confonds en excuses.
Allez, pour ça, je vais vous emmener. Oh, y a là, j'en referai d'autres, hein, parce qu'il y a tellement de jolies choses que tu m'as offert. Comment je fais pour... Voilà. Je ne pourrais pas tout utiliser, mais le principe, c'était de faire une ATC avec... ça, c'est pas très bleu. Donc, qu'est-ce que tu m'as mis en bleu? Une ATC, une carte avec plein de choix. Bah là... Là, plein de choix, j'avais plein de choix. Hein. Découverte, trop bien. Elle m'a mis le thé de Londres et tout ça, je pense. Alors, est-ce que tu m'avais mis où est le gâteau? Je vais peut-être plutôt prendre celle-là, que celle-là, elle est entourée de rouge. À moins qu'il y en ait une autre. Parce qu'il faut que ça rentre quand même dans l'ATC, quoi. Regardez-moi tout ça, une petite encre. Marine. Voilà. Allez. J'adore ta petite valise. J'adore, j'adore. Alors, est-ce que je mets cette petite carte-là? Ou est-ce que je mets un... Il y avait quoi? Joyeux anniversaire. Il y a un petit bateau aussi, tiens. Voilà, il y a encore. Ah, mais il y a même des. Oh, c'est trop chouette. Elle m'a mis des petites. Vous voyez ce que je veux dire? Des petites strass. Alors, il y a même un petit bouton encore. Il y a une petite montgolfière. Voilà. Des petites strass. On va les mettre et puis voilà. Voilà. Je vais peut-être écrire un joyeux anniversaire où je le mets. Ça, c'est dommage parce que tu me l'as entouré de rouge. Est-ce que j'en ai un autre? Parce que du coup, oh, ça gêne pas, hein. Non, ça gêne pas. Allez. Voilà, je vais prendre mon petit crayon blanc. Je vous montre. Je ne sais pas si vous avez bien vu parce que du coup, j'ai travaillé toute seule. Oup, 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 je vais en faire une autre. Hein. Voilà, ma petite ATC. Joyeux anniversaire. Surtout que je suis déjà à 23 minutes. Un petit crayon blanc. Voilà. Mais j'adore ce petit, voilà, ces petits défis comme ça en direct, sans regarder, sans avoir préparé un peu à l'avance. Hein? J'aime bien. Voilà. Et ben voilà, je vous mets des petites photos. Je mettrai, hop, ma petite ATC anniversaire. Voilà, fait avec ce que Juliette m'a proposé. Et puis la petite carte qui va avec, puisqu'on part à Londres, hein, de joyeux anniversaire. Voilà. Et ben merci encore, merci encore Juliette, hein, de tout ça. Je vais pouvoir, je vais en refaire une, hein, je vais en refaire une autre, hein, puisque j'ai assez de matériel pour largement en faire encore. Au moins une ou deux cartes, ou voire trois cartes, hein, comme ça. Voilà, j'aime bien, j'adore, j'adore. Voilà, merci, merci à toi. Et bonne journée à tous. Bisous!